Aujourd'hui, nous allons travailler le céleri rave dans une recette anti-gaspillage, c'est-à-dire que nous allons tout utiliser. Pour cette recette, juste quelques produits très simples. Le céleri rave, de la crème fraîche, du fromage de vache, un oignon, de la livèche et du verjus. Alors là, on va commencer la recette. On va faire comme un risotto avec le céleri. Le céleri, la peau, elle est épaisse, donc il faut prendre un gros couteau. D'abord, en fine tranche, d'à peu près 2 mm d'épaisseur. On l'épluche. On dé également. Un peu d'huile d'olive à chauffer. J'ajoute mes oignons sans coloration. Je laisse suer. J'ajoute mes dés de céleri. Voilà. Je fais suer une trentaine de secondes, comme ça. Voilà. Avec une spatule, il faut continuellement remuer pour éviter la coloration. Et je vais ajouter du verjus. Le verjus, c'est la première extraction de raisin pendant les vendanges. Je laisse réduire le verjus jusqu'à évaporation. On voit maintenant que le verjus est évaporé. Et je vais ajouter un tout petit peu de crème. Voilà. Et je vais laisser pareil. Maintenant, réduire la crème. Alors, on va faire réduire une trentaine de secondes. Là, je vais baisser le feu. La livèche, c'est une feuille que j'affectionne beaucoup et qui est vraiment de la famille du céleri. Je vais prendre les feuilles et je vais les émincer finement. Une goutte d'huile, moulin poivre, fleur de sel. La peau, on va la récupérer. Donc, il n'y a aucune perte. On va faire un bouillon qui est très bon pour la santé. Et uniquement les peaux qui ont été lavées, et je vais remplir à hauteur d'eau et je vais laisser cuire à peu près 35 à 40 minutes. Je prends mon risotto. Voilà. Je prends ma livèche qui a été assaisonnée avec fleur de sel, moulin poivre et quelques gouttes de verjus encore. Voilà. Et je vais parsemer mon risotto de ces herbes pour porter. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à déguster. Donc là, c'est le risotto de céleri rave avec un petit peu de verjus et de la livèche. Donc là, c'est une recette très bonne pour la santé et éco-responsable. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur Let's Save the Planet.